Bien, salut à tous, bande de gamers, et bienvenue sur Zelda The Link to the Past. On va se retrouver donc sur cette petite aventure là. On va donner. Hop. Ah non. Comme ceci. Voilà. Impeccable. Là, on est bien. A Link to the Past, pardon. Donc c'est la version sur Game Boy Advance, ce que je trouve mieux fait. Et que j'aime bien le petit détail qu'ils ont rajouté, le bruit de. Le son de sa voix quand on attaque avec l'épée. Donc du coup je me suis dit version Advance, je préfère. Même si j'ai connu le jeu, c'était sur Super Nintendo à l'époque. J'avais quelque chose comme 5-6 ans, je crois. Peut-être 7 ans, je sais plus. Voilà, c'est de l'anglais. Vous savez bien que je comprends pas l'anglais. Donc si on peut accélérer, s'il vous plaît. Je vais me rapprocher un petit peu, alors je serai bien. Allez, on connaît l'histoire, c'est toujours la même chose. C'est moi le héros, poteau. Ok l'ami, c'est bon. Tu vas transformer les sorcières, ouais ça on sait. Enfin les sorcières, pardon, les princesses. Allez c'est parti les amis, c'est à nous de jouer. Alors je suis désolé, le jeu est en version anglaise. C'est pas grave. On connaît le jeu, c'est pas le souci. T'as oublié ta torche, mon oncle? Ah, je vais chercher la torche. Peut-être que mon oncle aura besoin de la torche. Je vais l'amener tout de suite. Putain, quel temps de chien! Bon, c'est pas grave. Donc là, direction le château. Oh l'enculé, il veut pas me laisser passer. Bon, c'est pas grave, je connais un passage secret. Ça évite de forcer avec ses bras. Il a pas de force, donc ça va plus vite. Mon oncle, t'as oublié ta torche. Oh non! Ouais, on connaît, appuie sur B pour attaquer. Ouais. Merci l'ami, donne-moi ton épée. Crève. Oh non, mon oncle est mort. Non, je vais me venger. Ya! Bon d'accord.
Ah, d'accord. Je me rappelais plus des touches. Voyez, le petit bruit là quand il tape, c'est ça que je trouve le détail sympa. L'enfoiré, tu m'as blessé. Ouais. Merci pour ton cœur, je t'ai arraché ton cœur. Je vous défonce. Ah ouais, c'est moi, tu m'as bien vu. Let's go les amis. On traverse le palace de Zelda, le palais Zelda, il est super grand, et nous, on va sauver la princesse. Voilà, merci pour la clé. Merci pour le plan. Dans ta gueule. Putain, merde. Mon pot a disparu magiquement. Bah, c'est pas comme ça qu'on dit, mais bon. Merci pour le cœur. Continue le game. Donc ça touche select, c'est ça? Ouais, j'avais oublié. J'oublie pas mal de choses des vieux jeux, dis donc. Pourtant, ces jeux-là, je les ai fait et refait. Hein. Salut princesse, ouais, ça marche, ok, ça marche, ouais. Oui, je veux bien t'aider en échange, hein, ok. Allez, donne-moi ça. Direction la salle du trône. C'est là-bas qu'il y a un passage secret qui peut nous amener jusqu'au sanctuaire. Là où la princesse Zelda sera protégée pendant un certain temps. On prend comme ça là directement, on se prend pas la tête. C'est plus rapide, surtout que les soldats sont revenus. T'as eu de la chance. J'ai chié mon con. Tu nous as vu partir sans bouger, mon gars. Ok, on passe par là maintenant. Ah, l'enfoiré. Eh ben, dis donc. Je trouve qu'au niveau graphisme, il est plus joli aussi, ce Zelda-là, sur la Super Nintendo. Oui, je sais, il y a un passage secret dans la salle du trône.
Aide-moi, princesse. Ya. On pousse ça. Et c'est bon, on peut rentrer. Ok, les amis. Dans ta gueule, Laurent. Ah, merde. Alors, dans mes souvenirs, je crois que c'est à cet étage-là qu'il y a une clé. C'est le... J'allais dire c'est le rat qu'il a, mais non. C'est bien comme ça. Eh ben dis donc, je vais y arriver. Voilà qui est fait. Il me reste un cœur et demi. Moi, je vais essayer de trouver vite de la paix. Un bijou. Du moins un rubis, pardon. Bon. Et donnez-moi un cœur, bon sang de bonsoir. Oh, c'est pas vrai. Ah bah du coup on a trouvé la clé, espérons qu'on n'a rien devant nous. Si on en a eu. Voilà, là on verra mieux. Les rats étaient très chiants n'empêche. Allez hop, on passe. C'est fait, j'aime pas entendre tout le temps siffler. Il est un peu plus avancé un peu trop. Ah, mais là, je sais pas si t'es au courant, t'as des rats qui nous prend la tête un peu là. Oh putain, loupé, touché. Il m'a pas donné un seul cœur. Hein. Bon non, c'est celui-là. Voilà. Et nous voilà au sanctuaire. La princesse Zelda est sauvée. Le jeu est terminé, merci. J'en rigole. Ah, il va nous expliquer qu'il faut sauver les princesses en danger. Récupérer la... Ouais, faut détruire le magicien. Oui, Master Sword, voilà. Voilà. Yes. Voilà. Nous voilà, 4 cœurs, parti pour l'aventure, les amis. Et là, comme par hasard, il fait super beau. Et vous commencez à me gonfler, vous. C'est vrai que les rubis, il fallait les prendre, par contre. Les rubis, ouais, il était plutôt conseillé de les récupérer. Je les ai pas récupérés, c'est dommage. Parce qu'on a pas mal d'emplettes à faire dans le village à Cocorico pour nous faire gagner du temps. Bon, on va déjà résoudre ici, il faut parler ici. Oh dame, sérieux. Et d'ailleurs, je crois que sur Super Nintendo, il me semble qu'il était en anglais le jeu, non? Je m'en rappelle plus. Voilà, on sait où est-ce qu'il est Pescalibur, mais pour ça, il faut aller voir un je sais plus quoi. Alors on a ici
où on est plein de secrets. Ah mais il faut la bombe, je suis con. Donc on va partir d'abord chercher la bombe. La bombe, astuce, vous en avez. D'abord on va ici aussi, désolé. Ça revient au fur et à mesure dans la tranchée. Voilà. Bah si, ouais, vous en avez ici aussi. Ah. Voilà, impeccable, tout ça c'est bon. Et voilà, notre premier quart de cœur. Ensuite, on sort d'ici. Ici, moi avant, je vais trouver ici les bombes. Je coupais tout jusqu'à tomber des bombes. Après, on va ici. Voilà. Et hop, un passage secret. On a les bombes. Je crois qu'il nous faut 500 obis, je suis pas sûr. Je veux pas dire de conneries, mais je suis pas sûr. Et il me semble qu'il faut 500 obis. Ok, en suivant, on passe ici. Non, j'ai des conneries, autant pour moi, c'est pas ici. Voilà, donc on est ok. Bon, je m'en souviens bien, c'est ça. Hop, on fait ça. Non. On coupe ici. On se barre d'ici. Je me rappelle plus beaucoup des emplacements des maisons parfaitement bien, mais c'est à peu près ça, quoi. Hop, on récupère un flacon ici qui nous permettra de transporter de la potion pour la magie ou les cœurs ou tout simplement une fée. Voilà, on vient ici. Le gamin, il est malade. Comme il peut pas utiliser son attrape-papillon, il va nous filer. Ce qui va nous permettre de capturer les fées justement. Lui, on verra ça plus tard. Alors là, je crois que c'est à l'intérieur de sa maison, elle. Je suis plus sûr. Voilà, c'est à l'intérieur de sa maison. Je crois que c'est la dernière bombe qu'on utilise. Non, autant pour moi, c'est pas la dernière bombe. Ici, il me semble qu'il y avait un truc ici. Je suis pas vraiment sûr. Je vais quand même faire sauter une bombe. Non, il n'y a rien. Ok. Alors, en suivant, normalement, voilà. Elle, faut pas se faire serrer. On passe par là. On va voir notre cousin Mario. Et à nous le pognon. Donc pourquoi il faut autant de rubis, vous allez comprendre pourquoi dès qu'on aura fini le dernier, l'avant-dernier truc, parce que le dernier truc c'est le flacon qu'il nous faut les sous. Donc là on descend ici. Deuxième quart de cœur.
Et alors là, c'est le jeu du casse-tête. Donc il faut pas se faire piéger. Et avant, je le savais, maintenant, je me rappelle plus du tout. Je crois que ça, on l'avance comme ça. Il me semble que lui, on peut l'avancer comme ça. Ouais, je pense qu'on peut faire ça, ouais. Après, lui, voilà. Et après, pour ces deux autres coffres, je crois que c'est faut monter et revenir en arrière. Il me semble. Je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, il me semble que c'est ça, hein. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Voilà, et je viens de gaspiller une bombe. Voilà pourquoi je préfère toujours remettre le boomerang à la place. Après lui, je crois qu'il nous donne rien de plus. Parce qu'en fait, c'est une planque des voleurs là. C'est une ancienne planque des voleurs. Ensuite, on descend ici et on va voir monsieur qui va nous vendre le flacon. Pour 100 obis. C'est pas vrai, c'était pas 500 obis. Et voilà. De là, on peut foncer. C'est bon, on a fait nos empreintes. Désolé pour ma gorge. Donc je disais, de là on a fait nos empreintes, nous on... Ouais, vous m'avez compris. Alors après, je me rappelle plus si on peut passer par en bas directement. Si. Parce que j'avais oublié qu'on avait le troisième... Voilà, on va se retrouver avec le troisième quart de cœur si j'y arrive. Je me rappelle plus trop et c'est un jeu de course. Alors, je crois qu'on passe par là, on passe par là. On passe par là. Et normalement, c'est bon. C'est bon, on l'a eu. Voilà. Et peut-être que sur la route, on aura un autre quart de cœur à faire. Après, sur ce, je m'en rappelle plus trop. Peut-être, peut-être pas, je m'en rappelle plus. Eh ben dis donc. Là, on va remonter tout simplement comme ça sera plus simple. Oh, les enfoirés. Deux sur moi, hein. Bande de chacals. Vous allez tous crever comme des chacals. Ça fait deux fois chacal. Oh, les enfoirés. Alors, dans mes souvenirs, normalement, si on se fait attaquer, notamment parce que moi j'ai perdu un cœur déjà, vous venez ici et vous aurez une fée qui va vous sauver. Voilà, bon, en l'occurrence, moi il me restait qu'un seul cœur, mais bon, c'est toujours un cœur de récupérer. Donc, nous voilà donc sur les terres du premier temple. Là, on récupérera le. Je sais plus comment il s'appelle là. Le. Les bottes. Déjà, c'est les bottes, je crois qu'on récupère. Ici. Ah, donc, lui, voilà. Lui nous demande de récupérer un truc dans le palace. Quand on le récupérera, quand on le ramènera, il nous filera les bottes de vitesse, les bottes de Pégase. Et dans le temple, je crois que l'objet qu'on aura, c'est l'arc. Et j'ai plus de bombe. J'espère qu'on n'aura pas besoin de bombe.
Voilà. Nous voilà des bombes. Inutile de perdre son temps avec eux. Je crois qu'il me semble qu'il faut faire tout le tour. Dans mes souvenirs, hein, je me rappelle plus trop, mais il me semble qu'il faut faire tout le tour. Non, il fallait pas faire tout le tour, c'est pas grave. Là, on élimine lui. On saute ici. Hop. Donc ici là vous avez la sortie pour être plus rapide après le temple. Et normalement nous on se dirige dans le temple. Et voilà. Et ce sera là où on se retrouvera donc dans la prochaine vidéo de Zelda The Link to the Past. Eh bien les amis, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter. Et puis abonnez-vous pour voir la suite. Ciao ciao les amis, et passez une bonne soirée.